Des bâtiments en feu, dont la ville d'Idleb en Syrie, conséquence de frappes aériennes menées lundi soir sur cette ville contrôlée par des djihadistes et des rebelles. Sur ces images, des secouristes et des habitants qui sortent des décombres des survivants. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 23 civils auraient été tués et des dizaines d'autres blessés par des frappes menées par la Russie. La Turquie accuse également Moscou d'avoir visé une mosquée et un hôpital d'Idleb, faisant plus de 60 morts et 200 blessés. Mais la Russie, alliée du régime syrien, dément avoir lancé des frappes dans cette région. La province d'Idleb et la ville du même nom sont quasiment sous contrôle de l'armée de la conquête, une coalition composée du Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda et d'autres groupes djihadistes et rebelles islamistes.